cette vidéo, je vais faire le point sur ma routine démaquillage parce que c'est une routine qui est quand même très importante. On la fait tous les soirs et c'est vrai qu'on aimerait un petit peu savoir quelle est la meilleure selon notre peau et savoir avoir des conseils concernant des nouveaux produits peut-être qu'on ne connaît pas. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu la mienne. Je vais faire le point sur ce que j'utilise et depuis quelques temps déjà. Donc c'est quand même des produits que j'utilise depuis plusieurs mois. On va même dépasser les 6 mois d'utilisation. Et c'est des produits avec lesquels j'ai vu qu'il y avait une véritable efficacité. Alors, je vais commencer par le démaquillage des yeux et que j'utilise également pour la peau. Je mets Maybelline 2 en 1 démaquillage express et qui enlève également le maquillage waterproof. Donc c'est pas mal parce que du coup ça a une double efficacité. Et en plus de ça, c'est vraiment un démaquillage express. Ça prend très peu de temps. C'est assez confortable et ça préserve la souplesse de la peau et des yeux. Parce qu'en général, c'est vrai que les yeux, on a tendance à les avoir fragiles et surtout le soir à être très fatigués, donc à ne pas vouloir les irriter encore plus. On va plutôt opter pour un produit qui est doux. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de plus? Donc, il est fait en deux phases. Vous voyez, il y a une phase bleue et une phase transparente. La phase translucide à base d'eau élimine tous les résidus du maquillage et laisse votre paupière fraîche et reposée. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce produit qui est facile d'utilisation. Vous imbibez un petit peu de coton, un petit peu de produit sur votre coton et vous démaquillez les yeux, puis ensuite avec un autre coton, vous passez un coup sur le visage. Une fois que vous avez procédé à ce démaquillage, vous passez un coup sur le visage, manière d'enlever un petit peu les résidus qu'il reste, et puis vous séchez votre peau. Une fois que vous avez séché votre peau, vous allez pouvoir utiliser, pour moi c'est véritablement magique, ça porte bien son nom, c'est le Pchit Magique Nouvelle Peau de chez Garancia que j'ai essayé il y a plus de 6 mois, peut-être un an, et que j'ai tout de suite adopté, je ne m'en sépare plus. Ça a été conçu pour avoir une peau... pour avoir un nouveau grain de peau au fur et à mesure des utilisations. Et en plus de ça, ce qui est bien et rassurant, c'est que c'est un produit qui a été breveté. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose de sûr et de sain pour la peau. Ce qu'il faut savoir, c'est que Garancia, c'est une maison qui étudie et qui crée leurs produits sur des bases de botanique avec des recettes ancestrales et traditionnelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, on a une gamme énorme de produits, on a un choix infini de produits selon votre peau, selon le grain de votre peau, selon le type de peau, selon l'âge de votre peau également. Ça peut aller d'un soin à base d'ortie au soin à base d'eau de rose en passant par un sérum à base de venin de serpent. Donc c'est vraiment quelque chose d'ancestral et je trouve que c'est pas mal parce que, mais comme vous le savez, je suis complètement friande de tout ce qui est bio, soins naturels, botaniques. Je trouve que c'est pas mal. En plus de ça, le petit côté positif aussi, c'est que Garancia a un packaging que j'aime énormément. Ça fait très potion magique, très ensorcelant. J'aime trop. Je trouve que voilà, c'est très bien. Le seul bémol, c'est le prix. C'est vrai que ça a un coût. C'est vrai que ça a un coût. Et du coup, ça frôle le haut de gamme. Par contre, voilà, vous mettez votre argent là-dedans, mais sachez que vous avez un effet qui est là pratiquement directement et qui continue sur du long terme à agir. Le produit agit et donc du coup, voilà, vous payez un produit un peu plus cher que les autres, mais vous avez une efficacité, vous avez un résultat qui est là, voilà, ça vous rassure malgré tout quand vous allez utiliser ces produits. Vous êtes rassuré de ne pas avoir gaspillé votre argent et de ne pas avoir jeté votre argent par la fenêtre. Je trouve que c'est important de faire le point dessus. Voilà, on parle sans tabou du coût, des prix. On est là pour ça. On partage et voilà, je tenais quand même à vous le dire, à vous le préciser. C'est pas 10 euros le pchit, quoi. Ça, on va aller plutôt sur. J'ai pas les prix en tête, mais on va aller plutôt sur
un 20, 20, 30 euros à peu près, mais pour une efficacité bonne. Enfin voilà, moi j'ai rien d'autre à dire que ça. Donc ça nettoie et ça transforme la qualité de votre peau, de votre grain de peau jour après jour. Et en plus c'est très rapide, vous pouvez l'utiliser en 30 secondes, c'est-à-dire que comment vous allez l'utiliser le matin, vous l'utilisez tous les soirs, le matin à la place de votre produit nettoyant savon ou le soir après votre démaquillage. Moi j'utilise le matin et le soir. Au moins comme ça, voilà. Il faut l'utiliser sur une peau sèche. Donc c'est pour ça que je vous ai dit d'essuyer votre peau après avoir passé un coup d'eau dessus après le démaquillage. Et par contre, vous mouillez vos mains, vous mouillez la paume de vos mains avec une eau tiède, vous faites deux pressions dans votre paume de la main et vous allez voir que c'est une texture nuageuse. C'est des microfibres, on va dire, qui vont être actives sur votre peau. Et donc, vous l'appliquez légèrement comme ça sur toute la surface de votre visage. Et en général, ce que je fais, c'est qu'en attendant, ben, je vais me brosser les dents. Alors, je ne laisse pas 30 secondes, je laisse le temps de me brosser les dents, donc 2-3 minutes. Et ensuite, je me rince le visage une fois que j'ai terminé de me laver les dents. Ça ne m'a jamais rien fait. Ils disent 30 secondes, si vous laissez plus, c'est pas grave, hein. C'est vraiment quelque chose de naturel. En général, Garancia utilise des produits naturels. Par exemple, ici, ils ont utilisé de l'eau florale de bleuet bio, de l'eau florale de rose bio, de l'amamélie, du thé vert bio, du jus de citron frais, de la pulpe de concombre. Voilà, donc ça a des vertus exfoliants et antioxydants. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce produit. Ouais, je pense que c'est bon, hein, j'ai tout, je vous ai fait le point. Oui, ça a un pH neutre et c'est formulé sans savon, donc ça convient aux peaux sensibles et ça a été testé dermatologiquement, bien sûr. Une fois que j'ai lavé mon visage, que j'ai démaquillé puis lavé mon visage, je vais pouvoir le sécher avec. Donc, quand vous séchez votre visage, tapotez plutôt qu'essuyer trop, trop violemment. Le visage, c'est que ça a une peau très, très sensible. Je vais ensuite utiliser un produit que j'aime beaucoup. C'est pareil de chez Garancia. C'est un filtre légendaire et centenaire retrouvé. Donc, j'aime beaucoup les titres de chez Garancia parce que ça fait très ensorcelant, comme je vous ai dit. Aux essences magiques, embellisseuses du teint et embaumantes. Voilà, donc il se présente comme ça. C'est un packaging classique. Voilà, pourquoi est-ce que la bouteille est noire et non transparente? Mais tout simplement pour protéger la texture et le produit qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est des produits qui sont bio, qui sont issus d'une recette ancestrale. Donc c'est vrai qu'il faut les protéger et ne pas les exposer directement à la lumière. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour ce produit? Donc, ce produit fait renaître une recette d'il y a 200 ans d'un célèbre herboriste de l'Empire en la dotant d'un actif antioxydant ultra puissant. Ça a été également breveté. C'est un véritable bouclier protecteur contre le vieillissement, la pollution et la perte d'éclat du visage, de la peau. Les extraits que l'on trouve dedans, ce sera alors de la rose bio, comme tout à l'heure. Ça va apaiser et illuminer le visage. Vous avez du citron qui va tonifier le visage, la peau également. Ça va éclaircir et ça va permettre également de resserrer les pores. Et il y a également de la larme de styrax. Alors, ne me demandez pas ce que c'est. Je vais aller voir sur internet juste après parce que du coup, je ne sais pas trop. Ça a apparemment un pouvoir purifiant, énergisant et anti-stress. Bref, c'est parfait pour nous, les filles. Ça, en général, je me l'applique juste après le démaquillage et après avoir nettoyé la peau. Après, vous pouvez l'utiliser en règle générale à n'importe quel moment de la journée. Voilà, si vous sentez que vous avez un teint un peu terne, que vous êtes un petit peu raplapla, un petit morceau de coton, vous imbibez votre coton de cette essence magique, de ce filtre d'amour et vous tapotez votre visage légèrement. Vous allez tout de suite ressentir une fraîcheur et avoir un teint plus lumineux, plus frais, jour après jour. Donc ça, j'aime beaucoup. En plus, ça sent très bon. Ça sent la rose. Ça sent la rose. On sent légèrement le citron. C'est très frais, c'est embaumant, c'est ensorcelant.
Et ensuite, pour terminer, pareil, toujours chez Garancia, j'utilise l'élixir du marabout. Donc, alors là, on ne veut pas faire plus niveau ensorcelant. C'est un sérum concentré, anti-perfection et anti-âge. Il y a trois brevets dessus, donc c'est quelque chose de sûr à 100%. Alors, ça s'utilise au compte-gouttes parce que il faut savoir qu'un sérum, enfin ce sérum-là, pareil, ça a un coût. Donc, ne paniquez pas, vous allez l'utiliser assez longtemps si vous l'utilisez correctement. N'utilisez pas plus de 5 gouttes par jour. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que soit vous prenez 5 gouttes directement à appliquer dans la paume de votre main, vous mélangez, enfin vous chauffez un petit peu et vous l'appliquez sur votre visage. Personnellement, je ne l'appliquais pas comme ça. Je prenais une goutte et je l'appliquais sur une imperfection. Je massais 10 secondes à peu près, pour manière que ça pénètre bien la peau. Et ensuite, je faisais un petit peu pareil sur toutes les zones de mon visage que je voulais traiter en profondeur. Donc ça peut être sur le nez, ça peut être sur un bouton, ça peut être sur une zone du visage parce que la texture est quand même assez modulable. Vous pouvez facilement l'étaler. Je trouve que c'est plutôt pas mal d'utiliser ce sérum comme ceci. Donc vraiment, en ciblant bien les endroits parce que en plus ça fait une petite économie. Des fois vous n'avez pas besoin forcément de 5 gouttes obligatoirement par jour. Si vous avez juste un petit bouton quelque part, vous l'appliquez, vous massez bien 10 secondes et vous dormez. D'ici 2 jours, vous n'avez plus rien. Et en plus de ça, vous retrouvez un éclat. Donc c'est vraiment un sérum que j'aime énormément. Je crois que c'est le meilleur que j'ai testé. Voilà, donc je suis assez contente de ces produits. J'utilise tous les jours ces produits-là et je trouve que j'ai une peau qui est quand même pas mal. Alors en complément, bien sûr, de tous les autres produits que j'utilise, de toutes les huiles, de tous les soins que je fais tous les jours, le fait également de manger beaucoup de fruits, de boire beaucoup d'eau, de manger équilibré, beaucoup de légumes, du poisson, plus que de la viande si vous pouvez. Voilà, essayez de garder un style de vie, un rythme de vie comme ça. Préférez plutôt des fruits bio, préférez plutôt de manger des produits qui sont issus de l'agriculture biologique. Ça permet de ne pas être infecté de pesticides et de toutes les autres choses qu'on nous met dans notre assiette. Ça, c'est quand même important. Ça agit sur votre peau, ça agit sur vos cheveux, ça agit sur votre organisme en général. Et je tiens à faire un petit point là-dessus. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup les filles. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Merci d'être de plus en plus nombreuses à me suivre. Merci pour vos gentils messages, vos gentils commentaires. Je suis très touchée par ce que vous me dites et par ce que vous me transmettez. C'est beaucoup de bonheur. Voilà, donc ça me fait plaisir de voir que je suis soutenue par vous les filles et que mes conseils vous aident à vivre peut-être mieux pour certaines et à prendre peut-être plus soin d'elles pour les mamans qui du coup voilà ont du mal avec les enfants à continuer de prendre soin d'elles. Pour les jeunes filles, ben voilà, je suis contente de vous aider à être encore plus jolie que vous ne l'êtes déjà. Et voilà, merci pour tout. Merci pour tout. Donc n'hésitez pas à partager ma page, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à aimer la vidéo. Je vous embrasse fort, fort, fort et je vous dis à très bientôt les filles. Gros, gros bisous.